Yo les gars, j'espère que tout très bien. Je vous retrouve une nouvelle vidéo. Bref, je suis accompagné de Casque Spatial. Donc en tout cas, en fait, on va parler un peu de la chaîne, tout ça. Quoi. Donc ce qu'on va faire en fait, donc on va parler un peu. Alors tout simplement, moi j'ai changé les logos. Si vous... Alors j'ai changé un peu le logo, j'ai changé les images. Et excusez-moi si vous voyez encore le vieux logo, ne vous inquiétez pas, le vieux logo il a changé. Ce n'est plus le logo de la même chose. De toute façon, vous allez voir, si vous cliquez sur le vieux logo, vous allez voir un autre logo qui va s'afficher sur la chaîne. Bref, en tout cas, c'est pour vous dire que de toute façon, on va parler un peu de ma chaîne. Donc, il y a des gros projets en ce moment. Donc là, je suis en train de regarder des choses. J'ai pris des nouvelles choses. Donc là, je sais pas pour me proposer quoi comme comme logiciel de montage. Franchement, ça ferait très plaisir. Est-ce que Casque Spatial a un logiciel de montage perso? Non. D'accord, t'en as pas à me conseiller. Dommage. Bref, mais en tout cas, proposez-moi un plan. S'il y a des bons logiciels de montage, bon, ouais, je sais pas, mais je vais essayer de chercher des bons logiciels de montage un peu. Moi, parce que je fais du montage en ce moment, du coup, je prends des vidéos, je prends des impros, tout ça. Donc, ce qu'on va faire en gros là, c'est que voilà, on va parler un peu. Sans montage, voilà, c'est ça, là c'est sans montage. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. En fait, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que en gros, bref, donc donc le logo il a changé, tout ça, et donc les petites choses, on va parler aussi des vidéos. Des petites vidéos, il y a eu des certains bugs qui sont passés au niveau de mes vidéos. Le Transim World, quand j'avais sorti Transim World, World 1, de toute façon, vous pourrez aller la voir, je vais la mettre en description. Et le 2 aussi. Mais ce qui m'a énervé un petit peu, c'est que, les voix ont complètement bugué. Sunfire, quand je l'avais présenté, on n'a pas entendu carrément. J'ai cru que j'étais en train de parler tout seul, alors que pas du tout. J'étais avec des poches. On était 5 dans la partie. On a que un qui s'est présenté. J'étais assez dégoûté parce que j'ai eu des bugs au niveau de mes vidéos. Bref, en plus la vidéo de Transformers 1, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, je vais la mettre en description. Et en plus, je vais vous mettre les logiciels d'intro que vous pourrez faire. Hein. En plus, j'ai fait un tuto et je vous ai montré où il fallait aller, quoi. Voilà, je vous ai mis ça en description. Bref, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est des bons logiciels de montage. Voilà, donc bref, il y a des bons logiciels de montage. Depuis ce que je suis en train de dire, il y a beaucoup de choses. Allez voir. De toute façon, je vais la mettre aussi en description. Donc, perso, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des bugs au niveau des vidéos, comme je vous ai dit. Il y en a une. Alors, quand j'avais sorti une vidéo un petit peu des intros, bah en fait il y a eu une suggestion, je sais pas pourquoi, ils m'ont mis direct une suggestion, bref. Et en plus c'est un clip qu'il faut pas aller voir, franchement c'est pas un clip qu'il faut aller voir. C'est pas bien. Alors faut pas aller voir, moi je vous conseille pas d'aller voir le clip. Parce que si c'est ceux qui sont allés voir, franchement... Ok. Donc bref, on va parler d'autres choses aussi. Voilà les encadrements. Donc il y a beaucoup de tutos peut-être qui vont sortir ici. Si j'arrive à retrouver l'ancien logiciel Filmora de montage, ce serait très bien pour moi. En tout cas parce que je pourrais.
petit crochet qui ne peut pas, qui ne s'est pas fait exprès. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, donc voilà, il y a quelques vidéos qui ont bugué. Mais bon, bref, ça arrive. Alors, je voudrais vous remercier aussi pour les 13 abonnés, ça fait plaisir. Petit 13 abonnés, voilà. On est en train d'avancer petit à petit. Ça fait plaisir en tout cas. Et en plus, vous bombardez en termes de choses, beaucoup de choses. Vous là, je suis en train de vous faire plaisir en gros. Là, vous êtes en train de bombarder en ce moment. Ça fait plaisir. Voilà. J'ai fait Zidane. Wesh. Attendez. Je viens de mettre une retournée Zidane. C'est ceux qui s'en rappellent, quand Zidane il avait fait barre transversale, elle était rentrée dans les buts, après elle est ressortie. Mais moi je l'ai fait encore plus beau. Moi je l'ai fait en retournette. C'est incroyable. Ah non, là je suis obligé de le garder ça. Boum. Elle est rentrée, après elle est ressortie. Waouh. Bon bref. C'est beau. Voilà, c'est bon. Non. Pas le 1. Si je garde un peu de ralenti, c'est normal parce que c'est des beaux buts. Donc voilà. Hop. Perso. Attendez. C'est reparti. Ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Hop. Alors, quand je vous disais ça. Ce que j'étais en train de vous dire, bref, voilà. Donc il y a eu des nouveaux encadrements, des nouveaux choses. Ah oui, j'étais en train de parler que vous bombardez en ce moment, ça fait très plaisir. Continuons comme ça, en tout cas, je ferai plus de vidéos. En tout cas, bref, casque spatial, je vais mettre ton code créateur aussi. Son code créateur sera en description. T'as juste à me le dire et je te le mets en ton code créateur. Donc fais-moi. Donc quel est ton code créateur? Attends. Casque spatial. Casque spatial. Y. T. Voilà. Après, c'est tout. Donc, je mettrai son co-créateur en description. Pour ceux qui ont Fortnite, vous pourrez le mettre pour lui. Ça pourrait le soutenir. Bref, il est parti. Bref. Donc voilà, je vais mettre aussi la chaîne du Funfire et mon frère aussi en description. N'hésitez pas à aller voir. C'est du lourd. Donc je savais pas que mon frère il a sorti une chaîne. Mais bref, je vais un peu montrer. Je sais pas. Salive Sané. Hop. Non, je ne mettrai pas la chaîne de mon frère, je vais mettre une autre. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes regagnent donc. Je sais pas, en tout cas, il y aura la. Bon, non, je vais mettre juste la chaîne de Funfire. Juste la chaîne de Funfire. Et après, et je vous mettrai les liens. Je vous mettrai beaucoup de liens. Donc, il y aura les liens des intros, les liens des vidéos. Voilà. Les vidéos qu'on peut dire. Alors je vais mettre juste Transim World 1 parce que c'est elle qui a bugué, et aussi le 2 parce qu'ils ont bugué aussi. Voilà. Donc perso, il y a eu beaucoup de bugs. Bon, il y a eu des bugs, bon, ça arrive. Bref, donc ce que j'étais en train de dire, donc merci en tout cas pour les 13 abonnés. Bref. Alors on continue, donc là il y a une vidéo qui a bombardé quand j'ai reçu ma licence. Elle a bombardé, je pensais pas qu'elle allait bombarder comme ça. Elle a très bien bombardé. Vu qu'elle a bombardé, je vous explique. On pourrait arriver aux 20 abonnés, ça serait spécial. Je ferai une vidéo spéciale aux 20 abonnés, ne vous inquiétez pas.
Donc là, je ferai une vidéo spéciale, très spéciale. Ce sera un très spécial, peut-être Black Ops comment avoir le Black Ops. Je pense pas spécial, mais vieux spécial pour ceux qui savent pas. Voilà. Donc il y aura une vidéo Shaqiri entre en jeu, il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Un joli geste. Ça joue bien à côté gauche, il faut insister. Oh là là. Oh le duel. Oh ça allait passer putain. Bien. Oh là là, j'étais en train de faire du sale. Shaqiri. Oh, il a bien vu. Voilà. Petite parenthèse, alors il y avait des choses que j'étais pas très content de son fire, c'est que le mec en fait, vous allez pas très m'entendre. Voilà. Vous allez pas beaucoup m'entendre. Donc si Boomer vient dans cette vidéo, de toute façon. Ça changera en description. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors il y a des choses alors franchement un boomer non Sunfire voilà c'est bon, sa chaîne bon c'est un ami il s'appelle Boomer voilà c'est ça peut pas boomer dans la vraie vie mais voilà quoi il s'appelle Boomer dans la play sur la play. Donc ce que j'étais en train de dire, ce que je dis à Boomer, en fait, faut améliorer ta qualité de parler. Parce que tu parles pas fort et on t'entend pas. Aussi, je te demande pas de crier hein, non plus, mais essaie de parler un peu plus sur tes vidéos parce que je t'entends même pas. Moi, j'arrive pas à entendre. Franchement, j'avais sorti une vidéo comme ça, mais on m'entendait quand même. Ça allait. On m'entendait quand même. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. Hop, voilà, ça passe au calme. Schalke 04, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. C'est osé. Hop, voilà, ça passe au calme. Allez, ça peut faire mal. Dans la surface, le bon jaillissement. Bref, dernière chose à vous dire, c'est que... Voilà, il y aura plus de vidéos. Là, on est arrivé en tout à 42 vidéos. C'est spécial. Je prépare du lourd. Attendez, hein, vous allez avoir du lourd. Attention, il y aura ultra du lourd. Franchement, il y aura beaucoup de lourd sur la vidéo. Un grand merci à Darren Tulette pour la qualité de cette il y aura beaucoup de lourd. Bref. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo CPS, en tout cas c'était pour parler un petit peu de la chaîne, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bref, moi je vous dis ciao.